Ne commencez pas tout de suite le chrono. Je suis numéro 13, au cas où vous vous demandiez. Alors, bienvenue de la Saskatchewan, la seule province, je crois, qui a une ville qui s'appelle Archive. Vous êtes tous sur le point de faire une recherche Google, n'est-ce pas? C'est un mot. Bon. J'aimerais aussi dire bonjour à Terry Cook, très heureux qu'Ian ait communiqué le message de Terry au sommet aujourd'hui. Alors, félicitations, Terry. L'histoire du Canada est assiégée. Les citoyens doivent avoir accès à l'information et doivent demander des comptes du gouvernement. Ces paroles peuvent vous paraître alarmantes, mais il n'y a rien d'exagéré quant aux défis auxquels on fait face dans le domaine des archives. Commençons par le recensement de 1906 à titre d'exemple. Pour la toute première fois de toute l'histoire du Canada, les participants ont dû indiquer en cochant un encadré si leur réponse à l'enquête pouvait être rendue publique. S'ils disaient non, le formulaire n'était pas détruit, mais leur nom était expurgé. Les Canadiens qui complétaient ce recensement n'avaient jamais dû répondre à cette question. D'ailleurs, jusqu'en 1906, il n'y avait pas de clause sur le consentement informé. Plutôt, les renseignements étaient rendus disponibles après un minimum de 92 ans sans une seule plainte au commissaire à la vie privée. Alors pourquoi la clause du consentement dans cet exemple est-elle une menace à l'histoire? Eh bien, parce qu'un peu moins de 50 % des Canadiens ont décidé de rendre leur renseignement inaccessible en permanence. L'intégrité statistique de l'ensemble du recensement canadien à titre de source généalogique et historique, de tendance démographique et sur la vie de tous les jours a été compromise. Comparez cela aux centaines de milliers de Canadiens qui ne s'intéressent pas du tout aux difficultés qui pourraient ressortir de leurs publications sur Facebook ou autres et qui ne sont pas protégés pendant 92 ans. Il est impossible de dire aujourd'hui ce qui sera important demain. Imaginez-vous quel dossier n'existerait pas si les parents des enfants dans les pensionnats, si les évacués d'origine japonaise ou alors si les Chinois ayant payé une taxe spéciale avaient d'abord dû donner leur consentement avant que les formulaires du gouvernement avec des renseignements personnels n'étaient transférés à Bibliothèque et Archives Canada. La capacité de ces citoyens et leurs descendants de corriger les torts du passé et obtenir une indemnisation serait impossible, alors que les Canadiens, quant à eux, n'auraient pas une compréhension complète de ces événements. Cette clause crée un précédent, surtout quand le gouvernement s'intéresse très peu à la collecte et la conservation des renseignements. Si les données du recensement d'aujourd'hui sont importantes, pensons aussi aux données qui seront importantes dans l'avenir sur l'immigration, la santé, les affaires autochtones, l'emploi, l'environnement. Comment éviter cela de nos jours? Et des centaines d'autres documents sur les interactions entre les citoyens et le gouvernement. Les clauses comme celle du recensement sont contraires aux décisions sur les politiques publiques. Comme un éditorial du Globe and Mail le disait récemment, il nous faut davantage de renseignements, pas moins de renseignements sur les citoyens. Les choses ne s'améliorent pas. Les ministères et les agences gouvernementales peuvent produire toute une kyrielle de renseignements, or il n'y a pas de garantie que ces dossiers soient complets aujourd'hui ou qu'ils seront accessibles dans l'avenir, surtout pour ceux qui n'existent qu'en format numérique. Et sans une gestion convenable de ces dossiers, sans une possibilité de recherche et leur préservation à long terme, ces dossiers numériques seront perdus ou alors incomplets, inintelligibles, inaccessibles ou alors inauthentiques. D'ailleurs, des rapports récents indiquent que certains ministères ne connaissent même pas la portée ou le lieu de tous les dossiers
dont ils sont responsables. Donc, ils ont perdu le contrôle des dossiers qui appartiennent aux citoyens canadiens. Je dis bien les citoyens, pas au gouvernement. Ces dossiers appartiennent aux citoyens et citoyennes du Canada. Ceci mène à un autre problème, c'est-à-dire décider d'aujourd'hui de ce qu'on conservera demain. Contrairement aux dossiers analogues qui peuvent rester pendant des décennies avant d'être évalués, pour leur rétention archivistique éventuelle, les décisions sur les dossiers numériques doivent être prises aujourd'hui, car ils ont une nature éphémère. Joseph Boyden, l'auteur, a peut-il pris note de cela en concluant The Arenda? La rétrospective est parfois trop facile. Ce qui s'est passé dans le passé ne peut rester dans le passé pour la même raison que l'avenir n'est toujours qu'à un seul souffle de soi. Le passé et l'avenir sont présents. Les archivistes doivent épouser le contexte avant que les dossiers ne soient créés afin d'assurer que ceux-ci soient préservés dans l'avenir. Enfin, si l'intégrité des dossiers électroniques gouvernementaux est mise en doute, il n'y aura plus aucune reddition de compte. Les Canadiens doivent avoir un accès ouvert aux dossiers gouvernementaux en fonction de certaines restrictions, dont le temps pour protéger les renseignements personnels pour assurer la transparence. C'est ainsi qu'une démocratie doit fonctionner. Des dossiers fiables et un accès à ces dossiers gardant à l'esprit l'équilibre entre l'accès et la vie privée sont au cœur de la reddition de comptes gouvernementale. Que faut-il faire, donc? Il faut revoir la question de consentement du recensement après deux recensements tels qu'exigés par la loi et ensuite s'assurer que cette clause soit retirée ou alors changer pour que ce soit une clause de retrait. Il faut revoir la loi sur la protection des renseignements personnels pour tenir compte des nouvelles réalités de consignation de dossiers de l'ère actuelle du numérique. Il nous faut aussi une infrastructure archivistique qui puisse composer avec les défis et les opportunités du monde numérique. Il est déjà presque trop tard. Et ici, je ne suis pas d'accord avec Debra, nous n'avons pas le temps. Selon l'auteur Max Foran, dans une lettre envoyée en novembre 2013, il disait, je cite, « Nous ne sommes pas au précipice, au bord du précipice du changement profond. C'est plutôt que le sol s'effondre sous nous, un écroulement rapide et sans fin. Il y a deux décennies, Jean-Pierre Wallot, ancien archiviste, disait que nous créons un nouveau Moyen Âge, une décennie d'avertissement avait précédé de la part des professionnels. Depuis, nous avons perdu un grand nombre de dossiers de notre patrimoine numérique. Le temps est venu de retrouver ces dossiers, de bâtir les ponts et l'infrastructure nationale nécessaires pour quitter ce sol qui s'effondre, qui s'écroule et passer aux archives numériques. Ce faisant, il faut s'assurer que les citoyens, citoyennes, les chercheurs, chercheuses aient accès à des documents pertinents. Sinon, le Moyen Âge se poursuivra.